Salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve pour le petit top 10 esquive du mois d'août et je suis vraiment super contente pour ce commentaire parce que je suis en compagnie de Yoda. Yo yo yo, salut à tous, ben voilà, moi aussi je suis content de te retrouver Lady pour ce petit commentaire du top 10, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas commenté. Tu es au travail, hein, faut bien travailler, faut bien gagner sa vie, voilà, j'étais pas mal pris donc là voilà, je suis content d'être disponible. Que voilà, j'ai participé au montage du top 10 et vraiment il y a des magnifiques esquives. Pour moi, c'est l'un des meilleurs que vous allez voir. Donc ouais, voilà, je suis d'autant plus content. C'est vrai qu'il y a du lourd ce mois-ci. En plus, c'est vrai que nos abonnés ont demandé après toi. Voilà, tu leur manquais. Donc, je pense qu'ils vont être contents de te revoir pour un top 10. Petite présentation sur un clip de Super Pancake qui a eu ce magnifique réflexe de se dégager en mettant une Betty sur Verruc. C'est plutôt pas mal. Maintenant, comme la Betty a explosé, c'est ça qui l'a libéré. C'est vrai qu'on pouvait pas trop le classer parmi les esquives. Mais voilà, on avait envie de vous montrer ce petit clip qui est plutôt sympa. Et on vous rappelle également que pour nous envoyer des esquives, n'hésitez pas à nous envoyer vos liens par message privé YouTube, tout simplement parce que je pense qu'on va bientôt arrêter de capturer sur PS3 parce qu'on va les revendre malheureusement. Allez, c'est parti, on attaque. À la 10ème position, pardon, on se retrouve avec Quasi Syndrome d'Envie, ils sont bloqués avec son collègue. Ah, double coup, pardon. Et là, donc il se dégage, il y a le réflexe de faire un 180, son collègue se fait doser, mais lui il s'en tire magnifiquement bien, bien joué à toi. Et il va sauver la partie hein, grâce à cette magnifique esquive. Ah, bien joué à vous les gars, magnifique. Un clip de Asie Syndrome. À la 9ème position, on se retrouve avec IVS Best, Hive Based, je ne sais pas, sur dépôt. Donc voilà, ils sont en train de, je pense, faire une petite first room, ou peut-être sur Transit, je ne sais pas trop. Et donc voilà, là, ils passent entre les zombies, un petit coup de miracle un peu, il prend la première bave, donc pas de masto, rien du tout, hein, vous le savez bien. Et l'esquive, elle est là, regardez ce petit demi-tour avec le petit saut qui va bien pour pouvoir éviter tout le tas de zombies, la deuxième bave qui aurait été fatale. Donc voilà, bien joué à lui. Un très beau clip, une belle esquive, un beau réflexe, et je crois qu'il va pouvoir même assumer la réa de son collègue, c'est plutôt bien joué de sa part, voilà, les deux sont sauvés. Et à la 8ème position, on se retrouve avec Yorisk, pardon si je prononce mal ton pseudo, donc voilà, ils sont dans ville, je pense qu'ils faisaient un défi, ils étaient tous dans le coin de la map là, manche 35, c'est un run, et voilà, donc ils sont bloqués, son collègue est mort, il va réussir à le réanimer, et là, hop, il va passer au milieu de tous les zombies, tchiki bam bam, il saute, bien joué de ta part, un bien beau réflexe, t'as sauvé ton collègue, malheureusement, il est retombé derrière. Mais bien joué, hein, c'était un bien bien beau réflexe. Ça sent magnifique. Le Azinoubi, ça. Voilà, belle esquive. Et donc, on continue avec à la 7ème position, une esquive de Zonix FR. Donc, je ne connais pas ce joueur, on est encore sur ville, il est en solo manche 30. Voilà, il pack à énergie tranquillement, hein. Et là il va vouloir tirer sur le premier zombie, les autres sont sortis entre temps, il panique un peu, oh là là, petite esquive, attention, hop, deuxième saut, demi-tour, oh là là, petit saut en moitié en demi-tour, Funky Fun House Family, c'était magnifique, bien joué à toi. Magnifique, bien joué à toi, c'est clair. Et à la 6ème position, on se trouve avec Azimatu, ils sont à 3 dans Dairies, et au B23R, je pense qu'il faisait un défi, je ne sais pas trop, et là il tire les têtes des zombies comme d'habitude, et là il se retrouve un petit peu bloqué dans le coin. Hop, il va faire le petit demi-tour, 180, le petit saut, bien joué de ta part, magnifique, il est rouge mais il s'en sort et c'est le principal. Bien joué de ta part, c'est magnifique, franchement magnifique. Un beau super réflexe encore, ouais, pour s'en sortir. Bon, très beau. Magnifique à toi, bien joué à toi Azimatu. Moi je pense que je me serais fait troller dans le coin, honnêtement, donc bien joué à toi. À la 5ème position, on se retrouve avec Scatfire, donc il est sur Mob of the Dead en first room avec WLR qui va avoir, je crois, un problème de manette, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Et donc là, bah forcément, il va se faire doser, mais là, vous avez Scatfire qui lui a fait une magnifique esquive dans le coin. Je sais pas si vous avez vu l'action, on va la voir en ralenti. Donc là, il va se faire réanimer tout simplement par WLR qui arrive sur lui, qui va le réanimer en faisant sa belle petite réa 3-6, hein. Très bon joueur, Max. Et donc voilà, Scatfire a le tas de zombies, récupère le tas de zombies, et c'est là où WLR va avoir son problème de manette, je ne sais pas trop. Et regardez ce petit ralenti, on voit bien qu'il arrive à gérer tout le pack de zombies, vraiment, il pack, mais vraiment très serré, très collé aux zombies, c'est vraiment superbe. Et il arrive à faire ses petits demi-tours, ses petits 180 comme ça, bien joué à toi en tout cas. Et à la 4ème position, on se retrouve avec Aziz Nice, beaucoup d'Asie dans le top 10. Et voilà, il fait son petit demi-tour dans la grange d'enfer, magnifique, il a pas le masto, rien, il venait de se faire réanimer. Et ça passe, c'était en lutte, bien joué de ta part. Franchement, une magnifique esquive. Et je crois qu'elle est pas finie en plus. Là, il est rebloqué, il refait demi-tour, il va repasser, tac. Là, il est bloqué, ah, il temporise et il passe le petit saut, magnifique, franchement. Celle-là, moi, je l'ai kiffé, magnifique. T'as bien géré là-haut dans la grange, c'est très serré, c'est pas évident. Bella, Réa, enfin...
Vraiment, ça a l'air d'être un bon joueur. Bien joué à toi. Ouais, beaucoup de jolis réflexes. On attaque maintenant le top 3 avec Zed Supra sur Verruckt. Son collègue va tomber juste devant la porte. C'est là où toute la difficulté se trouve. Regardez, il va commencer à faire son petit package, il va faire ses allers-retours. Il en fait trois vagues et il va pouvoir ressortir alors que son collègue est tombé dans l'entrée de la porte. Vraiment magnifique, il a eu un chouette réflexe. Je vous l'ai dit, il y a vraiment du lourd sur ce top 10. Et à la deuxième place, on se retrouve avec Visgamer, donc il est en solo, hein, First Room Kino, mange 23, mort instantanée, c'est pas évident, hop, la fin de la mort instantanée, il est un peu bloqué, il longe, tchiki bam bam, il passe, magnifique, franchement, ça lui a sauvé sa partie, c'est pas évident à la Kino en solo, hein, dans la First Room, et franchement, tu t'en es tiré, mais magnifiquement bien. Ouais, il est content, les petits coups de joystick, normal, il part sur la gauche, et là, il y a un zombie, tchiki bam bam, ça l'aide, oh là là, ça l'aide à s'en sortir, mais magnifique, bien joué à toi. Et à la première position pour le mois d'août, on retrouve Twister Blood. Donc il est sur Verruckt, Verruckt again. Son collègue va tomber, donc voilà, il va le réanimer, pardon, mais sauf qu'il va craquer sa réa. Donc là, il se dit, oh fuck, j'ai craqué ma réa. Donc il commence à paquer tous les zombies qui arrivent comme des fous, comme des furieux. Et là, il va nous faire un travail de paquage magnifique dans la première salle. Donc on sait tous que Verruckt, voilà, c'est chaud comme map, c'est probablement la map la plus difficile. Regardez ce petit demi-tour, ce saut, oh là là, sublime, cette esquive. Vraiment, il nous a mis un petit ralenti, je vous laisse apprécier l'esquive, elle est magnifique, ça mérite cette première place. Ce petit demi-tour en mode reculé du fessier avec le petit saut, wouhou, sublime. Voilà, donc c'est fini pour ce top 10 esquive du mois d'août. Un petit mot à rajouter, Yoda, peut-être? Un petit mot à rajouter, bah tout simplement, moi je vous dis bravo à tous ceux qui participent à ce top 10. Franchement, pour moi, celui-là, il était vraiment magnifique. Le top 3, c'est une tuerie, tout simplement, vraiment du très très lourd. Voilà, je vous félicite et continuez à nous bombarder de clips. J'espère également qu'il y aura un petit mode zombie sur le prochain Call of, comme ça on pourra avoir un petit peu des nouvelles Exact. maps et tout, ça fera un petit coup de frais sur le top 10. Et voilà. Voilà, tout est dit. Donc on vous fait de gros bisous, on vous remercie pour votre participation encore et toujours, et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde! Ciao, bisous dans vos chaumières! T'es obligé de dire.